Bonjour. Oh, regarde, c'est joli là. Un oeil. On déambule dans les rues de la Médina. Ça. Ouais. C'est joli, c'est fish, soupe, tagine, chicken, dessert. Tard à rouge. C'est joli. Ah, ça répare. L'étale de la pâte sur une plaque en cuivre bien chaude. Attends, je fais la deuxième. 5 dirhams. Ah. Le jeu des fontaines avec la musique. Alors, voilà, là on est au port de Tanger, donc on prend, voilà, il fait un temps magnifique, hein. Je sais qu'en France commence à boucailler, ici on est en short et t-shirt, il fait bon, bon, on va vous mentir, le soir il fait un peu plus frais, et très humide par contre, le soir il y a 93% d'humidité, donc voilà, on profite de Tanger, on va aller se balader, enfin, voilà, on reste là tout le mois de novembre encore. Et puis tous les jours je fais un peu des trucs. Donc hier j'ai fait la révision du moteur, les filtres huile, filtres à gasoil, changement d'huile, impeller. Bon, je voulais pas filmer parce que je l'ai déjà fait. Et donc je trouvais pas ça opportun. Et puis là je vais faire une petite modif. Parce que j'ai appris que. Donc là on va le voir. Que ce système là est un bon système pour le retournement d'encre, sauf que quand le bateau tourne sur lui-même, ici ça force, et souvent le fait que ça force, ça finit par casser à cet endroit là donc on va changer ce système. Je vais toujours laisser ça, mais je vais rajouter ceci qui va permettre que ça tourne sans forcer là-dessus. Un petit plus quoi. Voilà. Donc pour ça, il faut pas grand chose. Hein. Un peu de WD-40 c'est toujours mieux. Une pince et clé Allen. Voilà, je vous montre ça plus tard. Voilà. Alors, oh, tout est pour tout, j'ai mis à peu près 5 minutes. Et encore, j'ai changé mon système. Donc voilà la manille, je l'ai mis dans l'autre sens et en fait ça bougeait pas très bien. Là maintenant, voilà, ça permettra de moins forcer sur l'axe qui est ici, parce que c'est là où il y a une faiblesse sur ces trucs-là. Donc voilà, petite astuce qui m'a été donnée par un vieux marin, comme d'habitude. Bon, Ethan, comment je fais moi avec le linge sale? Je te mets dans la machine avec? Thank you.
voici dans le musée de la Casbah. Donc c'est le musée de la culture méditerranéenne, comme ils appellent ça, autrement dit de la culture marocaine. De la Casbah, qui était très sympa, on pouvait pas filmer, mais on avait plein de photos. Et là on est dans la Casbah, c'est très joli, il fait super beau aujourd'hui, un peu de vent d'ailleurs, il y en a qui profitent pour partir de Gibraltar pour aller sur les Canaries, les avions. Chaque coin de rue est très joli. Quoi. Dès que tu prends un coin de rue, hop, tu tombes sur un truc. Là, on tombe sur un truc. Là. Le truc. Bonjour, le truc. Alors voilà, vous avez un capitaine qui râle, parce qu'il râle tout le temps. Voilà. Parce que là, ça devient compliqué de marcher. Ah, il râle, hein. Oh, il grogne, hein. Il ne sait pas visiter. Il faut toujours faire tout au pas de charge. Ça mélange les fils. Ça les brosse. Ça les fait tomber. Voilà la traînarde. Aujourd'hui, elle a deux tensions. Hein. C'est des pas de 10 cm. Voilà. La Tanger, mon culturel café, qui est juste super chouette. Nous sommes au... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Le Tanger Moumon Culture Café. Alors voilà, et je vous présente Moula, le chat de la maison. Oui. Moulet. Voilà, qui est connu pour venir sur les gens. Alors évidemment, moi je suis allergique, mais monsieur le chat s'installe. Ça va, t'es bien? Est-ce que tu es bien? Bonjour. Hein, Moulet? Est-ce que tu es bien? Ça va? Moulet. Mavlay. Maoulay. Ah, Maoulay. Maoulay. Donc voilà, Maoulay sera filmé. On est en train de manger dans une sorte de boui-boui. Alors, c'est un restaurant, mais qui est local, très très local, parce que les messieurs qui sont là-bas, ils ne parlent pas un mot de français. Et puis alors, ça fait vraiment. On a l'impression d'être à la cantine, un peu comme quand j'étais petite, moi. Voilà, il y a les tables. Mais c'est un restaurant très très local. Alors moi j'ai pris un tagine, je pensais que c'était un tagine végétarien, mais il y a du poulet. Et Stéphane, il a pris un truc à base de kefta. C'est bon ? De kefta. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Il y a du kefta, des œufs et de la sauce tomate. C'est bon. D'accord. Bah, bon appétit. Voilà, Hicham qui tisse avec la navette. Et qui nous a autorisé à filmer gentiment. Ouais. C'est trop chouette. Ouais, c'est beau ça. Hop, le nouveau fil. La navette, hop, et c'est parti. Clac. Excellent.
Hop, le deuxième. Pas bouger. Inna sama'ali sukhah Allah.